Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. La chronique de cette semaine est consacrée à deux questions. La première est la tentative de coup d'État déjouée au Burkina Faso, et la seconde est l'ampleur des sanctions contre le Niger et leurs conséquences possibles. Mercredi 27 septembre, le gouvernement burkinabé publié un communiqué officiel rendant compte de l'échec d'une tentative de coup d'État, de l'arrestation de 4 militaires et de la recherche de 2 autres. Le communiqué explique ainsi, je cite, « Le gouvernement de transition informe l'opinion publique qu'une tentative avérée de coup d'État a été déjouée ce 26 septembre par les services de renseignement et de sécurité burkinabé. À l'heure actuelle, des officiers et d'autres acteurs présumés impliqués dans cette tentative de déstabilisation ont été interpellés et d'autres activement recherchés. » Fin de citation. Le procureur du parquet précise dans un autre communiqué en date du 28 septembre, je cite, « Le parquet près le tribunal militaire de Ouagadougou informe l'opinion nationale que ce jour, sur la base de dénonciations dignes de foi, faisant état d'un complot contre la sûreté de l'État en cours et mettant en cause des officiers, dont 2 en fuite et 4 interpellés, est mis à sa disposition. Il a immédiatement ouvert une enquête circonstanciée pour élucider les faits dénoncés. » Fin de citation. La tentative de coup d'État survient dans un contexte où le gouvernement burkinabé a réaffirmé donner une priorité absolue à la question de la sécurité, alors que les pressions de l'Union européenne et de la CEDEAO se sont multipliées ces dernières semaines pour imposer comme première priorité l'organisation d'élections. Répondant à ces pressions, le capitaine Ibrahim Traoré explique, je cite, « Les élections ne sont pas une priorité, ça je vous le dis clairement, c'est la sécurité qui a la priorité. » Fin de citation. Rappelons que depuis 2015, les violences terroristes ont déjà fait plus de 17 000 morts et plus de 2 millions de déplacés internes. Organiser des élections dans ce contexte, c'est limiter celles-ci aux grandes villes dans lesquelles la sécurité est garantie, explique Ibrahim Traoré. Je cite, « Il n'y aura pas d'élection qui va se concentrer uniquement à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso et dans quelques villes autour. Il faut que tous les Burkinabés choisissent leur président. » Fin de citation. La tentative de coup d'État survient également alors que le gouvernement burkinabé a centré sa stratégie de rétablissement de la sécurité sur le principe d'une défense populaire, se traduisant concrètement par le recrutement de dizaines de milliers de volontaires pour la défense de la patrie. Le second pilier de la politique de défense est le principe de la sécurité collective avec les pays voisins, et en particulier le Mali et le Niger, avec qui le Burkina Faso a signé un pacte de défense mutuelle. Décrivant les difficultés dans l'action contre les activités des groupes terroristes, Ibrahim Traoré critique le choix de plusieurs pays de refuser de vendre au Burkina le matériel militaire dont il a besoin. Je cite, « Certains acteurs refusent de nous vendre du matériel. La plupart de nos équipements actuels sont russes et nous n'avons plus beaucoup d'équipements français. » Fin de citation. Cette tentative se déroule également au moment où le gouvernement annonce une réforme partielle de la Constitution qui est, selon Ibrahim Traoré, je cite, « un texte qui reflète l'avis d'une poignée de personnes éclairées au détriment d'une masse populaire qui n'est pas prise en compte. » Les textes actuels ne nous permettent pas de pouvoir évoluer sereinement et rapidement. Ils freinent l'action gouvernementale de rétablissement de la sécurité. » Fin de citation. C'est pour soutenir ce projet de réforme de la Constitution que des milliers de Burkinabés sont descendus dans les rues de la capitale et d'autres grandes villes ce mardi 26 septembre. Ces manifestations à Ouagadougou, à Ouaigouya, à Kaya, à Fadangourma, à Bobo-Dioulasso, à Bamfoura et Dédougou appelaient, je cite, à l'adoption d'une nouvelle constitution pour une nouvelle génération. Fin de citation. La coordination nationale des organisations de la société civile du Burkina Faso, organisatrice de la manifestation, expliquait ainsi dans la déclaration de son porte-parole Moussa Samfo, je cite, nous, peuple du Burkina Faso, avons décidé de façon responsable et loin des questions d'individus de prendre les choses en main en demandant le changement du socle juridique de notre nation qu'est la Constitution. Fin de citation. Le président de l'amicale Burkina Russie, Mahamadi Sawadogo, expliquait pour sa part, je cite, nous ne voulons plus d'une Constitution héritée de la France, un pays impérialiste, un pays colonisateur. Fin de citation. Ces propos font écho aux déclarations du Premier ministre Apollinaire Joachimson, qui LM de Tambela de juin dernier. Je cite, les Occidentaux ont construit leur constitution en fonction de leur histoire. Il nous faut donc un retour à nos racines. Fin de citation.
ce que révèle cette tentative de coup d'État, ainsi que les débats sur les priorités à donner à la sécurité pour le gouvernement burkinabé et aux élections pour les puissances occidentales et la CEDEAO, c'est la nécessité de décoloniser l'ensemble des institutions, textes législatifs et procédures qui ont été élaborés pour installer et reproduire le néocolonialisme. Dans cette logique, la forme prime sur le fond, la démocratie formelle, celle qui respecte des formes et apparences, est présentée comme la panacée, même si celle-ci se déploie sur le fond, sur fond d'une abstention importante, d'une fraude massive, du clientélisme généralisé ou d'une impossibilité d'organiser sérieusement des élections pour des raisons de sécurité. S'il est encore trop tôt pour connaître tous les tenants et aboutissants de ce coup d'État, il est en revanche évident que rien de démocratiquement stable n'est possible dans un pays où ne règne pas une sécurité sur l'ensemble du territoire. Si le Mali et le Burkina Faso ont eu à souffrir des sanctions imposées par la CEDEAO, celles que cette même CEDEAO impose au Niger sont d'une ampleur inédite. Outre la menace d'intervention militaire, la CEDEAO a imposé des sanctions dès le 30 juillet 2023, soit à peine 4 jours après le coup d'État. Le journal Afrique 21 résume comme suit l'ampleur de ces sanctions prises aussi rapidement. Je cite « La conférence des chefs d'État a imposé plusieurs mesures désormais habituelles en réaction à des putschs. Suspension de l'organisation, gel des avoirs et interdiction de voyager visant les dirigeants, etc. Elle a également pris des mesures plus radicales, dépassant celles imposées au Mali en 2022. En effet, la fermeture des frontières et la suspension des relations commerciales s'appliquent à l'ensemble des transactions, sans aucune exemption, y compris pour les produits de première nécessité, ou bien la fourniture énergétique, ce alors que la majorité des importations d'électricité provient du Nigeria voisin. » Fin de citation. Les effets de ces sanctions sont importants si on prend en compte la situation géographique du Niger. Ce pays immense n'a en effet pas de littoral et dépend en conséquence de ses voisins pour ses approvisionnements. Le résultat immédiat est logiquement la hausse des prix, qui est le véritable objectif de ces sanctions afin de pousser la population à se révolter contre le nouveau pouvoir. Il ne s'agit rien de moins que d'organiser l'asphyxie économique du pays dans une logique de punition collective de la population. Pour ne prendre qu'un exemple, prenons celui du riz, qui est un des principaux aliments de base. Les sanctions scandaleuses de la CEDEAO, soutenues par l'Union européenne, ont fait grimper le sac de riz de 25 kg à 14 000 francs CFA, soit 22 euros à la mi-septembre, alors que ce prix était de 11 500 francs CFA, soit 18 euros avant les sanctions. Les sanctions ont également un effet immédiat sur le fonctionnement de l'industrie. En effet, 70% de l'électricité utilisée au Niger provient du Nigeria, qui applique les sanctions contre le peuple nigérien. Le ministre nigérien du Commerce explique ainsi, je cite, « Nos usines subissent des délestages suite à la suspension de la fourniture d'électricité par le Nigeria. » Fin de citation. Le caractère criminel de ces sanctions est illustré par la question des médicaments. L'essentiel des importations transitées par le port de Cotonou au Bénin, qui est un autre pays appliqué les sanctions de la CEDEAO. Décrivant les résultats concrets de ces sanctions, le secrétaire général de l'Ordre des pharmaciens du Niger explique, je cite, « Le taux de rupture des médicaments tourne autour de 30 à 55% depuis le 19 septembre, alors que le seuil toléré est de 7%. » Fin de citation. Heureusement, la solidarité avec quelques pays voisins a permis de limiter les dégâts de cette politique meurtrière. Les frontières sont ainsi restées ouvertes avec le Burkina Faso. Surtout, explique le maire d'Agadez, je cite, « Grâce aux corridors algériens et libyens, nous sommes très bien approvisionnés, les camions viennent régulièrement chargés de pâtes alimentaires, d'huile, de farine, de produits électroménagers et de matériaux de construction. » Fin de citation. L'association Médecins Sans Frontières a dénoncé, je cite, cette logique de punition collective. Son responsable au Niger, Mokhtar Daouda Abbas, explique, je cite, « 13% des Nigériens font face à une situation d'insécurité alimentaire sévère. Les mesures qui visent à asphyxier l'économie d'un pays, l'exemple le plus extrême étant celui de l'embargo complet, pénalisent avant tout les populations et en particulier les plus précaires. » Fin de citation. Le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU craint, je cite, « des effets catastrophiques et appelle à mettre en place un régime d'exemption humanitaire. » Fin de citation. Le chef de l'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a donc raison de dénoncer, je cite, « les sanctions illégales et inhumaines de la CEDEAO et de l'Union européenne ». Il poursuit en réaffirmant sa détermination à ne pas céder au chantage. Je cite, « ces sanctions ne sont pas conçues pour trouver une solution, mais pour nous mettre à genoux et nous humilier. Même s'il s'agit d'un défi injuste qui nous a été imposé, nous devrions être en mesure de le surmonter et nous le surmonterons. » Fin de citation. Une première échéance de ce défi avait lieu cet été.
Un des buts des sanctions était en effet à très court terme. Le gel des avoirs de la Banque centrale avait en effet pour but réel d'empêcher le versement des salaires des fonctionnaires et des membres des forces de sécurité, afin de pousser ceux-ci à se révolter et à paralyser l'appareil d'État. La catastrophe n'a pas eu lieu, explique le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zayin. Je cite, nous avons pu payer les salaires des mois de juillet et août aux fonctionnaires et aux forces de sécurité sur les seules recettes internes. Nous explorons toutes les sources possibles pour résister à ce chantage économique. Fin de citation. Il semble bien que les partisans de la punition collective n'aient retiré aucune leçon de l'histoire. Humilier un peuple et vouloir lui imposer une orientation politique par la faim conduit au résultat exactement inverse, à savoir un sursaut de dignité et de résistance. Pour ne prendre qu'un exemple, rappelons celui de la Guinée qui osa s'opposer à De Gaulle en exigeant en 1958 l'indépendance immédiate. L'embargo de Paris, les déstabilisations et même l'émission de fausses monnaies guinéennes par le gouvernement français pour faire crouler l'économie ont abouti à la résistance et non à la soumission. Comme disait le leader guinéen de l'époque, Sékou Touré, je cite, « Je préfère la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage ». Fin de citation. Le savoir est une arme, et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne, nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.